Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo, un petit cocktail tout frais pour cette vague de chaleur. Pour ça, c'est facile, il ne vous faut pas beaucoup d'aliments. Vous aurez besoin de sirop de grenadine ou sirop de fraise, pareil, du jus d'orange et du freeze bleu. Il faut qu'il soit bleu. Et après, pour la déco, des petits schtroumpfs. Et il vous faudra bien évidemment des glaçons. Pour ça, d'abord, je vais préparer ma petite déco que je vais faire sur mon verre. Donc, j'ai pris du sucre, j'ai mis un peu de sirop et je vais venir plonger mon verre à l'intérieur pour faire le rebord sucré et légèrement coloré. Une fois que c'est fait, je vais mettre mon sirop de grenadine, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Là, on va ajouter nos glaçons. Donc, très important les glaçons. Après, vous allez prendre une cuillère et sur le dos de la cuillère, vous allez faire verser votre jus d'orange. C'est fait exprès, c'est pour éviter que tous les aliments se mélangent, enfin le liquide se mélange. Donc après, pareil, vous allez prendre le fruit bleu et pareil, vous allez faire ça délicatement. Vous allez voir que ça va être super, super joli et franchement, ce cocktail est vraiment très, très bon. Donc je vous montre avec le deuxième. Donc, voyez que la couleur elle remonte en fait, elle va pas se mélanger au jus d'orange. C'est pour ça qu'avec la cuillère, avec le dos de la cuillère, vous allez voir, ça va vous permettre de faire des couleurs, des couches de couleurs. Après, vous n'avez plus qu'à décorer comme vous le voulez et vous n'avez plus qu'à déguster ça bien frais. Voici le résultat. Donc, ça a un peu légèrement mélangé. Donc, vous avez du rouge, du orange, du vert et du bleu. Donc vous avez quatre couleurs dans un cocktail. Une fois que vous allez le mélanger, il va tout simplement se transformer en couleur vert. J'ai mis des petits schtroumpfs pour décorer. Et là, voyez, vous mélangez. Vous voyez, une fois que ça se mélange, ça devient vert. Franchement, avec beaucoup de glaçons, c'est très très rafraîchissant. C'est très très bon. Après, vous pouvez le faire avec plusieurs couleurs. À vous de mélanger, de choisir les couleurs que vous voulez. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Je vous dis à bientôt!